Parce que vous avez eu les occasions en première mi-temps, vous devez mener rapidement 2-0 et puis finalement vous faites contrer en deuxième mi-temps sur la seule occasion quasiment sans mi-temps. Ouais, c'est exactement ça, donc le match est bien résumé. Et c'est vrai que le match se joue sur la première mi-temps où dans les 15 premières minutes on a vraiment 2-3 grosses occasions. Donc on n'arrive pas à marquer, à mettre le ballon au fond, ce qui est le plus compliqué on va dire. Et puis dans encore une très très bonne première mi-temps avec une équipe très très jeune, j'avais 4,94. Donc on prend un but à la 43e, c'est vrai, sur l'une des rares occasions de 5 buts. Mais bon, on va dire que ça arrive, mais je suis vraiment très content des jeunes qui ont joué aujourd'hui. Ok, il y a un petit fait de jeu quand même, 75e, expulsion non du gardien, bon, c'est... Voilà, bon, oui, c'est partagé. Moi, pour moi, c'est quand même rouge parce que le gardien, même s'il reste des défenseurs derrière, il a ni de l'action de but. Voilà, le gardien n'y va que pour faire faute, donc il prend jaune. C'est vraiment un gros jaune. On va pas revenir sur ça, c'est des faits de jeu. Et la fin de saison champagnolaise, comment ça va ? La fin de saison, on va déjà, comme je l'ai fait aujourd'hui, on va déjà préparer la saison prochaine. Regarder un petit peu tout ça. On sait comment continuer à lancer ces jeunes. Aujourd'hui, ils étaient encore plus jeunes. Et puis renforcer notre équipe réserve pour qu'elle puisse accéder à la LR3.
Besoin de recrues pour cet été en Toujours, il faut toujours, on a toujours besoin de s'en prêts, donc avis aux joueurs qui sont intéressés. Ceux qui passent par Champagnol peuvent s'arrêter. Exactement. Merci David. Merci. Allez, avec nous donc un jeune de Champagnol, premier match en DH. Florian, quel est votre sentiment un peu sur ce match? Bon, on a décidé d'avoir perdu, mais ça fait toujours le plaisir de jouer à un niveau supérieur. C'est sûr que ça va plus vite qu'en 19. J'espère qu'il me reprendra une ou deux fois. Apparemment, vous avez fait plutôt un bon match à l'image de Champagnol, mais en match, vous n'avez pas mis des occasions au fond, puisqu'en première mi-temps, vous en avez eu deux ou trois. Ouais, c'est peut-être là que vous avez raté le coche, non? Ouais, j'ai loupé le match dans la première mi-temps, surtout le premier quart d'heure. On aurait dû tuer le match la première mi-temps, puis on prend un but sur une erreur. Comme ça, c'est comme ça. Merci, Florent. Vas-y. Allez, avec nous, Abdelak El Fadil. Abdelak, votre sentiment sur ce match, quand on vient de dire avec Fabrice Nard, 30 minutes un peu ratées, puisque vous avez les occasions, et puis une fin de match un peu difficile. On a fait une bonne entame de match. Après, malgré tout, on a manqué les occasions. On est un peu frustré parce que on perd le temps de finir au moins 2 à 3-0. Et là, on part avec une défaite 1-0 contre une équipe qui, de Saint-Vit, qui s'est bien battue, mais qui nous a rien montré dans le jeu. Après, voilà, on est un peu frustré à la fin de match parce que on considère que l'arbitre, il a fait son match, et puis voilà, hein, c'est pas l'arbitre qui a donné les occasions. Mais bon, vous avez beaucoup entendu parler quand même de la fin de match. Ouais, parce que frustré, j'aime la gagne. On le sent. Et j'aime pas perdre, et puis quand j'aime pas perdre, je commence à m'énerver. Ça, c'est un trait de mon caractère, et tout le monde le connaît, et pas de problème. Après, c'est comme ça. Mais pour une première année en DH. Pour une première année en DH, c'est bien. Ça avec des jeunes 94. Ça aurait pu être mieux. Ça peut être mieux, parce que tout simplement, on est une équipe qui joue, et puis si on fait pas trop d'erreurs, on serait dans notre au-dessus, mais bon, on prend. Première année avec des jeunes 94, faut pas trop en demander quand même, c'est pas mal pour l'avenir. Oui, on prend, oui, c'est pour ça que là on travaille dans l'avenir, et puis comme on sait que notre réserve vise la montée, bah, on l'a renforcée, mais on prend. Moi je suis d'accord avec vous, je prends. Maintenant, ça demande une rigueur et faudra la voir dans les 4 prochains matchs. On m'a ramené des points, sinon on va bien finir et ce serait une mauvaise année, entre guillemets. Une mauvaise fin d'année. L'objectif est le maintien, c'est acquis. L'objectif est le maintien, il est acquis. Tant mieux pour le club. Merci Adela. Allez, avec nous Alexis Valfray, donc preuve en est que Saint-Vit n'était pas au complet ce soir. Deuxième match pour vous, plutôt un bon match, et puis une victoire pas facile à venir chercher ici à Champagnol. 1-0, est solide, très solide Saint-Vit aujourd'hui. Ouais, eux ils étaient affaiblis aussi, donc en entrant on s'est dit qu'on avait nos chances. Que, malgré le fait que nous on soit affaiblis, les équipes étaient assez équilibrées, donc on a joué notre chance au max, on a réussi à marquer, on aurait pu aggraver le score avant la mi-temps. On l'a pas fait. La deuxième mi-temps, ils n'ont pas réellement d'occasion, si ce n'est 2-3 coups francs et coup de carité. Je pense que c'était plutôt pas mal sorti. Aujourd'hui, c'était quasiment des joueurs qui composaient l'équipe B la semaine dernière. Donc, il y a du potentiel également dans cette équipe B qui n'est certainement pas à sa place, puisqu'aujourd'hui, vous avez réussi à gagner contre une DH. Oui, ça fait du bien surtout de gagner un petit peu, sachant que la B a gagné aussi. Donc, c'est bien pour le club, c'est bien pour nous. On essaie de se montrer un peu plus haut, même si on sait que derrière, il y a des autres joueurs qui... qui vont revenir dès mardi pour la Coupe de Franche-Comté. Exactement, donc on a fait un peu l'intérim, je pense qu'on l'a bien fait. Tant mieux. Merci Alexis. Merci. Allez, avec nous Julien Roux. Donc Julien, aujourd'hui un effectif réduit puisque vous avez même joué. T'as même joué. Par contre, une victoire de la 1. L'objectif c'était également une victoire de la 2, puisqu'aujourd'hui en 1 il n'y avait pas grand monde. Le coup est réussi puisque 2 victoires, un bon week-end. Oui, on partait pas dans cette. On pensait peut-être pas avoir ces 2 victoires là. Maintenant. C'est vrai que nous on a joué à 11. Tous les garçons, je leur ai dit avant le match quand même, je les avais tous eus à un moment ou à un autre depuis 4 ans que je suis là dans l'équipe. Donc voilà, il y avait quand même des qualités techniques. Donc c'est tout à leur honneur de gagner ce match-là contre Champagne, parce que c'est vrai qu'on a. Je crois qu'on doit tabler sur 12 ou 13 absences sur l'équipe 1 par rapport au début de saison.
Ceci dit, ceux qui ont été là ont plus que rempli leur rôle et je pense qu'en plus on a fait un match cohérent, même si bon, c'était pas le grand Champa peut-être du match aller, pas le grand Saint-Vite. On a eu le mérite d'être réaliste, je pense qu'on a fait un match solide, on a eu des occasions, on aurait pu doubler, donc voilà, on est, je crois qu'on ouais, doit être 5-6e, donc c'est bien, on arrive, moi je m'étais fixé 62 points, donc on les a avec les points de défaite, et oui, en effet, la B a gagné, donc voilà, je pense que tout le monde est soulagé, même si c'était pas évident au coup d'envoi. Maintenant, donc le grand match mardi contre nos voisins byzantins du BRC, ça va être dur là, par contre. C'est... Pas à Champagnol. Oui, bah après, non, sans faire un jour à Champagne. Le BRC, c'est une équipe déjà contre laquelle on a du mal. S'ils viennent faire le match qu'ils ont fait au match retour chez nous, sincèrement, je ne donne pas cher de notre peau. Maintenant, aujourd'hui, on est venu à 11, on gagne contre Champagne. J'ai ma petite idée que pour jouer le BRC mardi, je vais récupérer tout le monde. Et puis, je pense que les garçons ont à cœur de faire un bon match. Et pourquoi pas, ça sera un exploit de passer le BRC pour pouvoir jouer derrière encore à domicile, soit à Belfort, soit contre Arlier. Voilà, les feux sont ouverts, on récupère tout le monde est content. Donc il y aura déjà au moins la dynamique de la victoire et puis la joie sur les visages. Donc j'espère qu'on aura notre petite chance et qu'on la défendra pleinement. Je veux dire un petit mot aussi sur votre situation actuelle. Y a-t-il du nouveau ou toujours statu quo? Du nouveau, non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de nouveau. Après, je vais pas botter en touche, mais on est. Il y a encore un mois de compète, il y a des discussions de part et d'autre, autant avec Saint-Vite pour pouvoir être libre, autant avec d'autres clubs. Je pense que ça va aussi s'activer parce que les clubs n'ont pas encore forcément trop bougé. Mon annonce n'est pas officielle depuis très longtemps. Il y a des annonces aussi dans d'autres clubs. Maintenant, c'est des opportunités, on verra bien qui appelle, mais bon, je ne m'inquiète pas pour mon avenir à la reprise. Le message est passé en tout cas. Merci Julien. Merci.